Alors, on va prendre ici. Alors, moi j'ai très mal, donc. Prends la pierre, mec. Si, 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 c'est bon. Non, 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 mais c'est pas bon. C'est bon, voilà, ça y est, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Il y a même pas de flèche, y'a rien, ça ressemble à rien. Moins un point pour la propreté. Passe, passe, passe. Vous voulez que je vous dise, ça déjà, j'enlève des points, ça écrit au rouge, au vert, c'est n'importe quoi. Salut la famille, c'est Mehdi Maizi, et toi, tu t'aimes déjà? Puisque tu regardes Rap Jeu, le meilleur jeu rap au monde jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, casting gourmet, un peu comme le menu secret des restaurants ou le 4-3-3 de l'Ajax Amsterdam en 73, la crème de la crème. À ma droite, une team qui envoie beaucoup de soupapes dans la surface comme Erling. Un grand dripper, capable de faire des sons sur des persos de Star Wars, des pirates informatiques, des docteurs véreux et des refs Harry Potter, le beau gosse du 667, l'homme qui veut apaiser les cœurs, mais c'est aussi manier l'arbalète, il a fait de bons choix, comme celui d'être sénégalais, comme les auteurs, mais également de s'appeler Maizi. Maizi, comme moi. Comme toi. C'est donc déjà un de mes candidats préférés dans Rap Jeu, Zoukou Maizi. Et là, on peut applaudir. Et avec lui, un homme rare. On est donc extrêmement honoré qu'il soit présent. Un homme de l'ombre, le producteur préféré de ton rappeur préféré. On dit parfois que derrière le succès de certains grands hommes, il y a une femme. Mais derrière les bangers de beaucoup de rappeurs d'aujourd'hui, il y a le flemme. S.O. le flemme. Ok. Incroyable, super. Face à eux, un autre duo de flingueurs. On a un grand rappeur puisqu'il fait 1m95 et qu'il est membre de la team... 98. Comme Michael Jordan. Ouais. Ça se branchait. Je voulais le dire, c'est une info que je donne. Membre de la team Découpeur depuis, un parcours incroyable, des anecdotes de vie internationales capables de faire freestyler Nekfeu au Mali, d'emprunter un cheval à Amsterdam, de perdre ce cheval, de le retrouver après lui avoir couru après. On dirait un film, mais pourtant, c'est vrai. Morgan Frémont, a.k.a. Dooms, est dans Rap Jeu. Ça fait plaisir que tu sois là, pour de vrai. Merci, merci. Avec lui, il a pris son gars sûr, lui aussi, loxé comme jamais, un professionnel de la gestion qui a débarqué dans le Ram Game en SL500, un mec que tu trouveras pas sur Wikipédia, mais dans le 18e. Il respecte tous ceux qui le respectent, ça tombe bien, parce que c'est exactement ce qu'on compte faire, mettre du respect sur le nom de SL Crack. Ça flingue de partout. Tu sais, ça flingue énormément. Des archers, du découpeur, du rimeur et un driller. J'ai envie de dire, SO Rap Jeu, c'est déjà mon épisode préféré. Avant de commencer à jouer, on va choisir le nom des équipes. Commençons ici. Si vous étiez un animal, vous seriez quoi, messieurs? Un lynx. Est-ce que ça te va? Ouais, ça me va. Très bien. Et vous? Lion. Le lion, ça te va? Ouais. Les Parigolions face au Mange-Mort Lynx. Ça c'est passe le nom d'un de ouf. Très clairement, Rap Jeu, c'est parti. On va enfin pouvoir commencer à jouer. Et on va forcément vous faire une épreuve qui a été appelée un peu à cause de vous, l'équipe challenge. Alors, vous expliquez. L'un d'entre vous dans chaque équipe aura les yeux bandés, l'autre une ardoise. Je vais poser une question. La personne qui a l'ardoise écrira la réponse, sans la dire à voix haute, bien sûr. Et celui qui a les yeux bandés devra ensuite me donner la même. L'idée, c'est de voir jusqu'à quel point vous avez une alchimie, jusqu'à quel point vous êtes une équipe et vous vous connaissez. On va me rapporter les accessoires. Merci. Une ardoise. Donc du coup, c'est moi qui décide. Un petit... On propose que ce soit Zoukou qui a les yeux bandés, sinon on ne verra plus du tout flemme. Mais après, c'est vous qui voyez. Quand vous êtes prêts. Très bien. Alors, première question. Le meilleur film du monde. Personne ne parle, on écrit. Mais tu peux être vif, hein. Je te jure, tu peux être vif, c'est trop facile, frère. En tout cas, flemme a écrit tout de suite. La trottinette, rappelle-toi. Attention, attention, on parle pas, on parle pas, on parle pas, on parle pas. Moi, j'ai rien dit. Il avait déjà écrit, il avait déjà écrit. Okay. Je vous jure, il avait déjà écrit. Attends, attends. Oh, mais ça va pas, toi? Mais enfin! Mais je suis là! Il y a un truc qui est caché, mais je suis là, enfin! Du quoi, oui? C'est comme si. C'est quoi ça? Je t'ai vu. Où ça? Au cam, au cam. Mamadou, lui, il est très grand, monsieur. Beaucoup trop grand, Stom. Vous voulez tout de suite? Je vais te demander d'écrire sur la prochaine, pas comme ça. Vas-y, David, c'est quoi? Je me retourne carrément. Ah, voilà, ce sera mieux. On va commencer avec vous, ça va être très vif. Zoukou, le film? Moi, je pense qu'il a mis Batman. Oh, waouh. Vas-y. J'ai mis Seigneur des Anneaux. Ah, dommage. Et ici, Dooms, est-ce que vous pouvez montrer? Moi, j'aurais dit la ligne verte, mais vu que c'est bizarre, à la recherche du bonheur. C'est des menteurs. Déjà, c'est gars. C'est des menteurs. Oh, bah, t'es bon, t'es bon. Je me sens. Quoi? C'est la ligne verte. T'es bon. C'est la ligne verte. C'est la... Tu valides quelle question? Quelle réponse? Parce que je sais qu'il kiffe les deux films en vrai. En vrai, de vrai, je peux dire. J'ai l'impression qu'il ment trop bien, lui. C'est quoi la réponse?
Bon, on passe à la question suivante. Même lui, il y croit pas. Même lui, il y croit pas. À la recherche du bonheur, à la recherche du bonheur. C'est bon, vas-y. Oui, bah, c'était la bonne réponse, mais tu m'as arnaqué. Oh, arrête. Et tu sais que tu m'as arnaqué. Wow. Ça va être... Oui, à 0 point, 0 point. 0 point, 0 point, 0 point. Le rappeur qui t'a donné envie de rapper. Ah oui. Je pense savoir ce que t'as mis. Moi, c'est bon, je le sais. Soyez honnête, vous êtes une équipe. Je sais, moi, je suis honnête. Moi, ok, alors est-ce qu'on peut montrer les ardoises des deux côtés? Ben, Flemme. Moi, J. Pharrell Williams. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Et côté... Ouais, un minimum quand même. Dooms. Qui a donné envie de rapper à SL Crack? Hé, hey, Mamadou, on t'a attrapé. Il essaie de regarder encore. T'as on gage. En vrai, c'est moi, hein. C'est Dooms. Ta réponse? Ouais. C'est une très belle réponse, pleine d'égocentrisme, mais c'était Tupac. T'es grave pas tout d'un coup, 5 points pour les manges morlinx. J'ai quand même envie de donner un point pour l'insolence. Voilà, on met un point. C'est beau. Alors, question suivante. Ah, j'aime bien ta paire. Enfin, t'as ta vue rapide. J'aime bien ta paire, okay. Tu veux un point ou... C'est toi. Question suivante. Le meilleur son pour danser avec une meuf. Voilà, c'est dur, hein. J'ai l'impression que je pose pas la question aux bonnes personnes, effectivement. Je sens que je peux trouver un truc, on sait jamais. Attends. Que j'aime bien pour danser avec une meuf. Non, mais arrêtez de parler. Ah, on peut pas parler, Craig. C'est pas du tout le jeu, en fait. Communique, les gars. Si tu sais pas ce que je veux dire, mais pas ça. Change. Osso, si tu vas dire ça. Ah, t'es sûr? Tu vas dire. Je vais dire ça, alors. Ils communiquent et ils se comprennent, j'ai l'impression. Mais moi, je sais pas ce que vous dites. Si tu sais, tu sais pas, je comprends. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, ils trichent pas. Ok. Alors, on montre l'ardoise à gauche. Pas, la jet set. C'est très bon. T'es bon, c'est très bon. Oh, t'es bon. C'est bon. 5 points. T'es bon. C'est et bon, vous, messieurs, j'aime bien. Moi, j'ai mis Enya, je sais pas. Enya. Non, 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 fallait les dire avant. Enya. Only Times. Ah, tu dois parler avant qu'ils le disent. Attends, mais ça triche là-bas, là. Non, je vois pas, mais j'entends bien. On recommence. Non, on recommence pas. C'est pas grave, laisse, on perd un point. T'inquiète. 6 à 5, il y a eu un petit loupé, c'est pas grave. J'aime bien ta venue. Ok. T'es beau. J'ai vu qu'elle est bien. T'es beau et tout. T'es beau, t'es grand. Ton album disque de chevet. Album favori, quoi. L'album préféré de votre vie. Après, t'as vu, mais dis-moi. Moi, j'ai écrit un bon truc. Hein. Flemme, il écrit, à mon avis, c'est la discographie de Tupac, là. Ok. Ouais, y a beaucoup c'est de long, mais. Ok. Ouais, est-ce qu'on peut montrer l'ardoise Flemme d'abord? Donc, moi, j'ai écrit Pharrell Williams. Et on parle pas. Mais putain, oh, on commence à c'est un tricheur. Tête ouais, de ma vas-y, mère, vas-y, vas-y la... ça y est. Au nom ouais, moi, de Dieu, j'allais le mettre. J'arrête. Non, mais oui, non, mais t'inquiète, on va se rattraper, on va se rattraper. C'est pour l'ardoise. In my mind. J'ai mis l'album, c'était tout à l'heure. On se connaît, t'inquiète, c'était pour leur donner des points. Et vous, vous avez parlé depuis moi, j'imagine. Voilà, quand je suis pas parlé. T'as mis quoi comme album? Juan Coco. Et c'est le 500, celui-là, c'est ça? 5 c'est points ça ici. Et c'est vous, ça on va pour In My c'est ça, Mind, je donne 2 points. Merci. Parce que vraiment, on donne 2 points quand même, parce que je sais que t'aurais dit ça, mais malheureusement, il y a eu un petit loupé. Vous avez vu ou pas? C'est moi, t'inquiète. Et c'est le 500. Le projet est disponible, on le dit. Merci, reste branché. La série du moment, ou la meilleure série de l'histoire. Les rappeurs utilisent souvent des références de fiction dans leurs couplets. Et comme tout le monde, ils sont fans de séries. Chez certains, tu sens qu'il y a eu un avant et un après l'abonnement Netflix. Parce que d'après nos calculs, on en est quand même à la 542e référence à la Casa des Papel. C'est uniquement pour dire que Nairobi et Tokyo sont sexy et que le professeur est intelligent. Il est temps que ça s'arrête. Respectez-vous. Voilà, il n'y a pas longtemps en plus on parlait. On peut écrire, hein. Oh là là, je sais. Eux, ils peuvent parler carré. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est que t'as raté Seigneur des Anneaux, mon pote. Voilà. C'est ça, j'ai dit. Le clash des yeux bandés. Gros. C'est bon? Alors, Flemme, est-ce qu'on peut montrer l'ardoise? On parle pas juste, on montre l'ardoise. La meilleure série, peut-être qu'il a mis Game of Thrones. Là-bas, les cris, les gens crient. Ok, donc c'est 5 points ici. Dooms. Je vais répondre la même chose voilà, que lui. Je suis plus laqué, ça. 5 points ici également. Bon, en revanche, par contre, j'annule les 5 points puisque personne n'a dit The Wire. Voilà, il fallait dire The Wire. C'est la seule réponse ah à ouais, donner. Ça, ah ouais, mais non, je plaisante. En plus, c'est toi. Allez, on fait une dernière. Le meilleur son pour rider la nuit. Pour rider sur Paris, voir la Tour Eiffel. Dans l'obscurité. Non, parle pas trop. Quand il y a pas. Parle pas trop. Quand il fait nuit un peu. Et c'est le crack qui veut pas perdre. Non. T'aimes bien enlever des points. J'adore ça. C'est ce qui me fait kiffer dans la vie, même, tu veux que je te dise. Vous avez un point, vous avez une réponse? Très bien. Alors, on commence avec vous, messieurs. SL Crack a montré Dooms, une réponse? Je pense que la réponse, tu peux la trouver dans le dos, quelque part vers 0,18, je crois. Ils ont révisé, ils ont fait la promo du projet. C'est bon. Ils ont bien compris ça le concept. Flingue. C'est ça 5 flingue. Points, bravo. Ça flingue. Et vous, messieurs, d'abord Zoukou. N-I-R-D ou Pharrell. T'as dit quoi? N-I-R-D ou Pharrell. Ah, attends, un ou l'autre? L'un ou l'autre? Et non, c'était. Enya, je sais pas comment ça se dit. Ah, Enya, non. Non, je l'écoute pas la nuit. Elle... Pas grave, il écoute que la journée. Et ça, c'est une info qu'on vous donne que vous n'aurez que dans Rap Jeu. C'est la fin de cette première épreuve, 21 à 12. Mais tout est possible. Et on va passer directement. Carte mystère, carte puriste, on commence avec vous. Comment? Plus facile que je le pensais. Fais le malin.
Carte puriste, une question sur le rap. Si vous répondez bien, des points. Si vous répondez mal, il se passe rien. Carte mystère, tout est possible. Ça peut être des points en plus, des points en moins, on sait pas. Moi, je prends mystère. Mystère, je pense. Carte mystère. On est joueur. Bonus, Black Rob. Vous êtes décédé, mort dans la misère, mais tout le monde a fait semblant de ne jamais vous avoir oublié après vos disparitions. Et ça, c'est l'esprit hip-hop. Plus 10 points. Merci. Putain, je t'ai dit, c'est lourd. Voilà. Ah, c'est comme ça ? C'est lourd. Ce sera pas comme ça à chaque fois. Hein. Carte puriste ou carte mystère, messieurs ? Pure. Ça, j'aime bien. Citez 7 noms de drillers anglais. M24. Vas-y, je te laisse. Ça se branche. Moi, je peux le faire. Tu le regardes même pas. Si tu veux, on en fait 14. Tu le regardes même pas. Tu nous donnes 30 points. Ne manquez pas de respect. Vas-y. On fait 14 blasts, tu nous donnes 30 points. C'est bon ? N-Naughty. N-Naughty. Vas-y. M24. Vas-y, envoie. C'est 7. Ouais, j'attends. Eh, qu'est-ce qu'il y a ? On est qu'à 2 pour l'instant. Ouais, ouais. Sean Wayne. Bien pour les annonces. Sean Wayne. Et en plus, il y a un temps, frère. Russ, calmez-vous, ça arrive. On peut le faire encore là. On est à 4 là. Jigdat. Jigdat. Jigadji. Ça fait 5 ? Oui. Jigadji. Jigadji ? Bien sûr. Millions ? Bah, ça fait 10 points. Laga. Encore ? T'en veux encore ? Laga. Bon, t'en veux ou pas ? Non. C'est bon ? Je me sens pas en confiance. 31-22. Bravo à vous, épreuve suivante. On essaye de. Dernière. Pas de toute dernière. Deuxième épreuve. Je m'emballe alors que je passe un super moment, autant pour moi. Une épreuve qu'on a lancée très récemment, mais qu'on adore déjà, qui nous a été soufflée par beaucoup d'internautes, c'est le cross-featuring international. On n'aura plus besoin de l'ardoise, je sens que t'es au taquet. J'avais envie de dessiner là. Je t'en prie. Carrément, j'allais faire un petit soleil et tout. J'adorerais. En haut à droite là. T'as capté. Avec la maison, bah, exactement, j'étais parti là. Et c'est complètement faux parce qu'on aura complètement besoin de l'ardoise en fait. Je vais vous donner deux noms de rappeurs. À vous d'essayer de les relier via des feats en moins d'étapes possibles. Exemple, si on doit relier Akhenaton à Nekfeu, imaginons que je croise les feats. Akash a fait un feat avec Jul, qui a fait un feat avec Sosoma, qui lui a fait un feat avec Gizmo et Gizmo a déjà fait un feat avec Nekfeu. Bim, c'est un plus rapide. Hein. De 5 rappeurs. Ouais, c'est un plus rapide. Hein. Il faut dire ça. Entre AKH et Nekfeu ? Ah bah oui, ouais, tout à fait. Ah, c'est vrai. Intéressant. Il va se brancher. AKH, oui, c'est... bref. Alors, si les deux équipes ont le même chemin, c'est 5 points pour le 2. Si une équipe a un chemin plus court, elle prend 10 points. Le premier chemin à trouver est celui-ci. Mokobé, Drake. Vous avez une minute à chaque fois. Mokobé, Drake. Alors évidemment, on en profite pour s'abonner, activer la cloche, ça fait plaisir. Bon, plus que 5 secondes. Mokobé, Drake. Écris David au cas où. Top, c'est fini. Ouais. Il écrit juste un, juste c'est fini. On pose les stylos, s'il vous plaît, c'est comme dans Top Chef. Vas-y, vas-y. Je rêve d'animer Top Chef. Alors, messieurs, dites-moi, on va commencer avec vous. Alors. On touche pas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut poser le... Non, tu les vois, tu regardes, t'as vu ? Ok. C'est bon, tu les as vus ? Donc Drake. Non. On pose. Alors, je prends. Je vais prendre les ardoises parce que je me sens pas en sécurité. Alors ici, Mokobé. Non, en fait, faut que ça parte de là. Drake a fait un feat avec Future. Future a déjà fait un feat avec Karis. Karis a déjà fait un son avec Booba. Booba a dû sûrement faire un son avec Mokobé. Avec Rimka. Le morceau Maman d'or sur album Mon Afrique. Et vous ? Vas-y, ça fait des points. Regarde. Mais ça va où le chemin ? Ça, c'est ça le chemin. Ouais, Drake, le monde. Je te fais le chemin. Bon, tu m'as dit que vous avez perdu. Non. Là, je vois du Davido, je vois du Wizkid, des artistes qu'on adore, mais je ne vois pas de chemin. Tac. Mais tu vois bien que l'épreuve est finie, en fait. T'es en train de me faire l'épreuve alors qu'elle est terminée, je comprends pas. Non, mais on a peut-être pas perdu, en fait. Drake, Wizkid, ça existe. Ouais. Davido, Wizkid, ça existe. Je sais pas. Ouais. Moi j'écoute tout du rap, je suis un débile. J'ai juste mis le chemin. Bancal. Il a mis le chemin, Ça n'existe pas. La barre est formelle. C'était chelou. 10 points ici. Deuxième manche. Dr. Dre, Jul. Une minute. C'est quoi ces conneries, wesh ? Ça existe, hein. Il y a une boucle là. Tu voulais des trucs simples, des trucs compliqués ? Franchement. Du coup, lui, Dre. Attends, comment il s'appelle ? Attends, je crois savoir. Flemme, il prend ça très au sérieux. Comment il s'appelle ? Évitez. Ouais, on a fini. Ouais, on l'a fait en 3. Non. On l'a fait en 3. Non, mon pote. Ouais. On a passé, poteau. Faites-moi le chemin, je veux des flèches. Mettez-moi les flèches parce qu'après, sinon, vous m'arnaquez au dernier moment. Mais lui, il l'a fait avec. Ils ont pas fait. Il l'a fait avec. Oh, l'erreur de l'avant-centre. Oh, l'erreur de l'avant-centre parisien. Et fin du temps, voilà. Attends, voilà, laisse-nous. Oui, mais non, vous avez une minute. Non, voilà, 10 secondes. Apparemment, on a fini au bout de 25 secondes. Faites penser aux gens qui finissent les contrôles une heure avant la fin et qui n'ont rien foutu. Je les connais, ceux-là. Et ils vont lire des BD au CDI, là. Je sais. Non, mais c'est bon. Vous remarquerez que mon autorité, c'est de pire en pire, hein, sur ce plateau. Bon, tout le monde a fini de tricher, non, c'est bon. Vas-y. Mettez-moi des flèches. Tu me dis qui ? Voilà, tu dors, ma gueule. Bon, voilà, vous n'aurez aucun point. Mehdi. Alors, on va prendre ici. Alors, Ouais. Je prends l'ardoise. Si, c'est bon. Non, mais c'est pas bon.
C'est pas bon. C'est bon, voilà, ça y est. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Y'a même pas de flèche, y'a rien. Ça ressemble à rien. Moins un point pour la propreté. Vous voulez que je vous dise? Ça déjà, j'enlève des points, ça écrit au rouge, au vert, c'est n'importe quoi. Moi, je suppose que Jules a fait un feat avec Nino. Tout à fait. Que Nino a déjà fait peut-être un feat avec Juicy P. Tu mens. Ah, Juicy P. Tu mens. Pour vérifier. Il ment. Alors, Nino, Juicy P, ça n'existe pas, malheureusement. Non, explique-moi, s'il te plaît. Je vais bien t'expliquer. Oui. Dre, il a fait un truc avec 50. 50, il a fait un truc avec Gims. Gims qui a fait un bail avec Karis. Si. Mais c'est French Montana. Il invente des French Montana. Voilà, c'est French Montana, frérot. Oh, il invente plein de trucs en plus. Tous les deux. Mais personne va gagner de points aujourd'hui, bah, ça sert à rien. Alors, le chemin, 4. Dr. Dre, Snoop, Lacrim, Jul. C'était ça? Ah, ça a marché. Ouais. C'était une des réponses possibles. Ok. Est-ce que c'est le plus court? Je ne sais pas. Ok, ok. Dernière manche, parce que j'aime beaucoup ce jeu quand même. Lil Wayne, Alpha One. Dépêche-toi. Alors on a tendance à l'oublier, mais Lil Wayne, il avait parfois des rimes très perchées. Par exemple, sur Steady Mobin, il rappait « Big house, long hallways, got 10 bathrooms, I could shit all day ». C'est quand même une façon très chelou de vanter sa richesse. Moi, je trouve pas, forcément. Si t'as 11 toilettes, t'as forcément 30 pièces. Donc c'est juste du big flex. Après, le truc, c'est qu'il faut avoir l'utilité de ces 11 toilettes. Après, en général, on l'utilise pas. On n'a pas forcément de besoin. Les rappeurs ne vont pas aux toilettes. Non. Okay. Tu connais un rappeur qui est allé aux toilettes? Salut. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Et là, c'est une fois le jeu. On va te donner une excuse. Viens voir. Viens voir. Viens voir aussi, mon père. Ça, par contre, c'est des points en plus. Vas-y, viens brancher. Viens voir. Et ça finit ça. Mais maintenant, le délire, c'est que on peut pas. Mais maintenant, juste pour ça, tu vas lui dire. Moi, je sais un truc. Donne-moi 10 points pour ça. Non, mais c'est vrai ou pas? Donne-moi 10 points pour ça. Attends, ça là? Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Ma parole. C'est plus 10 points. Mais là, c'est beau. Je viens de voir. J'ai une excuse là. Vraiment, c'est incroyable. Time! Attends. SO2 Nies. Alors, déjà, je vais être honnête avec vous. Je viens de leur donner 10 points. Ah merde. Ils m'ont donné une excuse de fou. Voilà, j'ai été obligé. J'ai été obligé. Moi, j'étais à fond dans le truc. Ouais. Si vous voulez. Vous avez trouvé en combien? Au pire, vous me donnez une exclue et. Voilà. Ah, une exclue où on gagne en. Est-ce que vous avez trouvé et en combien? On commence ici. Lil Wayne a dû faire un feat avec Future. Tout à fait. Qui a dû faire un feat avec Karis. Oui. Et avec Alpha One. Karis qui a fait avec Alpha One. C'est très beau, c'est très beau. C'est très beau. 4. Et alors vous, du coup, c'est moins bon parce que vous en avez 6. 4. Vous n'avez pas capté. 10 points ici. Et vous, vous avez mis Lil Wayne, Gims, Black M, Dr. Berries, Esprit Noir, Alpha One. Wow. C'est une bonne réponse, mais avec plus de rappeurs cités. Parce qu'on voulait shout out tous les refrains, tu vois. Et c'est beau. Par contre, il y a, je le précise parce que je suis très fier de le savoir, il y a une exclu incroyable. C'est quoi l'exclu? Reste branché. Reste branché. Nas, Freeze Corleone. C'est faisable, il n'y a aucune arnaque. Freeze Corleone, frérot, waouh. Ok, attends. Ah, je crois savoir. Fais comment il s'appelle? Alors, ah, je. Pensez. Enfin, bref, non, je dis, je me tais. Fin. Alors, ouais, fin, très attends, bien. Là, j'ai un problème. Je prends non, les parce armes. Que là, il faut que j'en retire un des deux. Mais je sais pas c'est lequel, c'est ça qui est en train de me couper les couilles. Ah, là, je t'aime. Merci. Et t'es quoi, retire-moi un point. T'es quoi, retire-moi un point si on gagne au cas où. Je t'aime. Parce que t'as vu. Ici, on est en 4. Oh, c'est très beau. C'est très beau. Oh, c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Ils ont donné la réponse, gars. Mais c'est très beau. Nas, Prodigy, Roy Enoch. Freeze Corleone. Prodigy, Roy Enoch. Ouais. Freeze Corleone en 4. C'est superbe. J'ai failli mettre, je vais dire, Twins Gambino entre eux. Ah, Roy Enoch et Freeze, parce qu'il y a un son Roy Enoch, Freeze, Twins Gambino, exclu. Il y a un son Roy Enoch, Freeze, Twins Gambino qui existe. Mais il est pas sorti. Attends, donc c'est une exclu. Attends. Je m'en fous. Quoi qu'il arrive, ils prennent les 10 points, puisqu'on vient de me dire qu'il y a un morceau. Est-ce que tu peux me redire cette information incroyable? Roy Enoch, Freeze, Twins Gambino. Qui existe, mais qui n'est pas sorti. Et ici, il y avait un peu plus de gens, malheureusement. Non, 4. Nas, ouais. NTM. Bah non, Nas, tu le comptes pas, parce que c'est de lui qu'on part. Si, on compte à chaque fois. Ah ok, donc ça veut dire là-bas, t'as compté Nas aussi. Faut laisser celui que t'as dit. Mais en fait, non, ça marche pas. Parce que t'avais mis... Oh, tu réponds au téléphone. Ah oui. T'avais mis IAM, mais y a pas de NTM IAM. Non. Et par contre, mais NTM, ils ont pas fait avec Jul. Non, je vous le dis, parce que là, on part. Il avait mis Nas, NTM, Jul, SCH, Freeze, mais il fallait laisser IAM, parce qu'il y avait NTM ou IAM. C'est une mauvaise réponse. Il est parti de ce... Oui, t'inquiète. Bah, il est au téléphone, il se resserre. Ouais, j'ai. Personne ne me respecte, mais je vous dis. Alors, 52 à 41, mais c'est une belle réponse. Ouais. Une dernière. Notorious Big, également appelé Biggie, Christopher Wallace à la ville, repose un peu depuis un rappeur de tous les temps, avec Orelsan. Wow. Doom, s'il va être fort dans ça. Bande de mythos, va. T'as dit Biggie, là? Ouais. Je suis plutôt Tupac, j'avoue. T'as jamais écouté Ready to Die?
Donc tu peux me dire non. En passant. En passant. Tu parles de Biggie là. Très grave. Par contre, rassure-moi, en fait, tu penses quoi de Danny Dan? Je sais pas, je suis un menteur si je te dis, j'ai écouté. Ça me fait beaucoup de peine. Daniel Lacoué? Toi, tu viens de prendre un point, toi. C'est comme ça, c'est rabieux. Il parle de Danny Dan. Big Dan. On stoppe. Bon, ici, je vous dis tout de suite, on y est pas. Même... Vas-y. Après, ça c'est sûr. Orelsan, YNB, quand même. YNB, absolument. Il a dû faire un feat avec NBA Youngboy. Il l'a fait. On va vérifier. Il a dû faire un feat avec YG. Ou avec Snoop Dogg, et ensuite bien dit. Il a dû. Comment ça ouais, quand t'es pas sûr à l'école, tu sais pas la bonne ça réponse. Tient, ça même marche, moi. T'es bien content. On te dit de prendre le moi. YBN Cordé, NBA Youngboy. T'as pas mis les points d'exclus. Non, il n'y a pas de YBN Cordé. On a perdu. Cette épreuve, c'est fini. Personne n'a gagné. Nous, on avait accepté de perdre cette épreuve. Alors, il y avait juste, je vais dire le chemin possible. Biggie, Didi, Gims. Je savais Gims. Orelsan. Ben ouais. Gims, Didi. Pauvre ben diable. Par contre, effectivement, c'est une plug. On a oublié de mettre, on va rajouter 5 points ici, c'est pour l'exclu Twin Gambino, tout ça, on les a pas mis. 57 à 41, petite carte mystère au puriste. Pur. J'aime bien. Citer 3 membres du groupe Griselda. Non. On souffle pas, s'il vous plaît, là-bas. C'est toi que je voulais. Griselda. Francisco. Tes mains, il a dit Francisco. Oui, je vais badass. Tu m'as dit Joey Badass? C'est une mauvaise réponse. J'attendais West Side Gun, Conway et Benny the Butcher. Voilà ce que j'attendais. Aucun de ces trois-là. Ah bah les drillers, hein, de South London, il y a du monde. Mais Griselda, il n'y a plus personne. Moi, je connais pas, moi. En tout cas, c'est honnête, j'apprécie. Enfin. Messieurs, carte mystère ou carte puriste? Non, ils vont prendre le puriste aussi. Non. C'est quoi, change-moi. Puriste. Vas-y. Il m'a chauffé, c'est vite. Là, tu connais, Cameronet. Comment s'appelait le tout premier album de 50 Cent avant Get Rich or Die Tryin'? Ah ouais, voilà. Ah. Ça, c'était à l'époque qu'ils vendaient du crack, tout ça, à New York, Cameroun. Vers la ligne Jay-Z. Attends, laisse-moi réfléchir. Fais-le. Pardon? Essaye, Jim. Tente un truc. Son album, hein, il s'appelait 50 Cent. Il y a du panache, c'est appréciable, mais c'est pas la réponse. C'était Power of the Dollar. Ah non. Ok. Voilà. Passons à l'épreuve suivante, les enchères. Les enchères, c'est tout de suite. Alors, je vais réexpliquer les règles pour Zoukou qui n'a jamais regardé Rap Jeu. J'ai regardé hier. Beaucoup de peine. 3. Hier, il a 5, commencé 6. Hier. Il m'a envoyé un message, il m'a dit j'ai regardé 2 Rap Jeu, j'ai répondu bien à une seule question. Moi, je les ai tous regardés, moi. Voilà. Ah, tu sais que alors, j'ai, là, tu sais que j'ai le point face à toi. C'est très bas, non, mais c'est très bas. En plus, c'est très très bas. Donc, les enchères, c'est quoi? Je vais vous donner un thème. Par exemple, morceau de rap français sorti en 2021. Ce sera pas ça. Vous aurez une minute, déjà. Vous allez me dire, je peux en citer 20, je peux en citer 10, je peux en citer 15, je peux en citer 20. Une équipe va remporter les enchères. Si elle me sort les 20 morceaux, elle prend 20 points. Si elle n'y arrive pas, 20 points à l'autre équipe. Le thème du jour est le suivant. Okay. Un thème un peu personnalisé, puisque sur ce plateau, on a le Sénégal, le Cameroun et le Mali qui sont représentés. Je vais donc vous demander des rappeurs francophones originaire d'Afrique de l'Ouest. Il faut me donner un premier chiffre. On commence avec vous quand vous avez un léger retard. Un premier chiffre que vous pouvez citer et puis après, on part dans les enchères. Non. Voilà, 30. La section, l'institut, ça fait 20. Bon, on s'arrête là. T'as vu? Tu les connais tous? Bah oui. Ok. Alors, ça commence à 30, vraiment? Ouais, franchement. Ça commence à 30. Franchement, on peut y aller à 30. Ah, n'écris pas, tu connais moi. D'abord les enchères et puis après. Ok. 30. On va dire 32. Ah, vous surenchérissez. Hein? Ouais, 32. 32. Une minute. 32. On n'a jamais des enchères. Vas-y, 33 vas-y, alors. Vas-y, 32. Ah, mais Mamadou, sois raisonnable. Là, vous êtes à 33 pour l'instant. Laisse-le, laisse-le. Vas-y, 34. On s'arrête là. Dire, ma gueule. On s'arrête là. En bref, 32. C'est lui qui commence. Non, il n'y a pas de commencer. Vous n'avez jamais regardé cette émission. Vas-y, 34. On te laisse. Vas-y, monte à 34. On te laisse. 34, attendez. Top, en une minute. En une minute 34. Non, une minute. T'as pas précisé ça. Ah si, je l'ai dit. Attends. Ah, t'as pas regardé. Attends, déjà, est-ce que... Je vous donne une minute 30 parce que je vous adore. Allez, c'est parti. Les rappeurs. Les 34 rappeurs. C'est parti. Chris Corleone. Oui. Slim Chavez. Zoukou. 3. Norsace Berlusconi. 4. Accélère parce que là, tu prends trop de temps. Doc OVG. Oui. 5. Y'a qui encore? Congo Bill, Osiris Jack, 6, 7. Ils sont perdus. Je ça aussi, je l'ai dit. Ouais. Ça pue, hein. Booba. Comment ça s'appelle? DGK le Musain. Ouais. 10. Booba, Alpha One, Mokobé, Fababi, SL Kekra. Dooms. Ils peuvent le faire. Caris, Dr. Berry. Attends, mais vous demandez parce qu'il est Camerounais, c'est Afrique centrale, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Afrique centrale n'est pas Afrique de l'Ouest. Merci. Mettez pas les Camerounais dedans. Je cite beaucoup après. Mais faut pas mettre les Camerounais dedans. Je suis Camerounais. Il déconcentre. Bravo à toi.
déjà. Ça fait plaisir. Agbès. Agbès. Non, on a combien là? Moi j'ai combien? On est à combien? Parce que c'est ça, je suis complètement perdu. Stoppez le temps et dites-nous, on a combien? 18. T'es sûr? On va se dire que c'est possible. Les gars, pas les Camerounais. Chaune de Locos, Kerr. Encore 14. 14. Chaune de Locos, Kerr. Orozco. Oui. Attends, Despo, les Sénégalais. Il n'est pas Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, tu mens. Va là-bas. Mais attends, il déconcentre. Non, 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 il dit des blagues depuis tout à l'heure, vous acceptez Stavo, alors que... Stavo, c'est du racisme, les gars. Maître Gims. Non, Stavo, non, me dit. Maître Gims, c'est Congo, c'est du racisme. C'est vrai, c'est vrai. Alors que vous êtes des racistes, ma gueule. Ouais, justement, on va dire, dites-nous des mecs d'Europe de l'Ouest, on va vous dire la Russie, la Pologne. Attends, attends, attends. C'est quoi ça? Il a pas tort. Le temps est écoulé. Non, c'est on cool. A mis combien là? Et 34, les gars, c'était costaud. Donne-nous les 34 points. 34 points pour vous. T'as la flemme? C'est monté. T'inquiète, t'inquiète, ça va monter, t'inquiète. Je sais sur quoi je compte. Alors, 74 à 57. Carte mystère ou carte puriste? Puriste. Oh, waouh, wow, j'étais pas prêt. Ça soufflait puriste là. Non, 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 fallait pas dire. Tu vas répondre. Puriste? Non, non, non. Voilà, tu dis voilà, pur. Voilà, je suis pas prêt. Youssouf. Mystère. Au revoir. Bonus. RIP Shock G. Vous avez rappé avec Tupac dans Digital Underground, en plus d'être un pionnier de la West Coast, c'est légendaire. On t'aime, plus 10 points. Ça, c'est rap, je vois. C'est bien, c'est bien. Messieurs, petite carte mystère ou puriste? On reste sur la pure depuis le début. Moi, j'aime bien. Alors, je vais vous donner une petite question. Bien pimenté. Ça, je sais que vous n'allez pas répondre, mais j'ai vu qu'il y a un peu de. Ah, tiens, peut-être celle-là. Comment s'appelait le tout premier album d'Eminem avant Slim Shady LP? C'est dur, hein? Ah, wow, c'est dur. C'est un ancien. C'est sorti en 96, si je dis pas de bêtises. Et toi, c'est un film, frère. Il a dit, frérot. C'était Infinite. Et c'est un album qui, à mon avis, qui mérite d'être écouté. Bah, tu sais quoi, je vais l'écouter en rentrant tout à l'heure. Il n'est pas en streaming, hein. Eminem, Infinite. Moins 10. Ça me ferait plaisir que tu l'écoutes, Doom, vraiment. Non, là, je vais l'écouter. Dernière épreuve. Vas-y. Roland Gamos. C'est plutôt marrant, en fait, cette émission. Bah, je suis content que tu passes un bon moment, ça me fait plaisir. Dernière épreuve, et c'est maintenant que ça se joue. 74 pour les Parigolions, 67 pour les Mangemorlingues, c'est donc très très serré. Pas médié. Oui. Rajoute un point comme ça, ça fait 7-5, tu connais Paris. Dans ce cas, je rajoute un 6 devant eux. Waouh. 600 Eh, on a peut-être pas envie de ça. Bonjour. Mais on va pas le faire, on va. On respecte les règles. Attends, il y a combien de manches de ça là? Là, on va s'en faire 3. 3 manches, vas-y, si on fait 3 manches à 200, je leur laisse leur mettre le 6 avant. Blague. 200 points pour chaque manche? Ouais. Il a dit quoi? T'as dit quoi? Il veut qu'on mette 200 points là sur les manches. Et on vous donne 667 points vu que vous allez perdre les 3 manches. Vous verrez. Mamadou. Alors. Je rappelle les règles du Roland Gamos. Je donne un rappeur. Par exemple, Jay-Z. Personne ne m'écoute. Excuse-moi. Là, une équipe va dire avec qui Jay-Z a fait un feat. Par exemple. Par exemple. Eminem. Eh oui. Et là, Eminem. Avec qui Eminem a fait un feat. Avec. Et là, on peut commencer à tuer. Ah, ouais, le premier nom, Fredo Santana. C'est bon, ouais, mais c'est Lil Riz. C'est les gars, Lil Riz. Donc avec qui Lil Riz a fait un feat maintenant? Waka Flocka. Lil Riz, Waka Flocka, est-ce qu'on peut vérifier? Vérifier. Ah, vous voulez vérifier dès maintenant? On sait, jamais. On a des points, c'est tellement logique, frère. Je sais, c'est merde de sûreté. Non, ça existe. Est-ce que Lil Riz, Waka Flocka existe? Pauvre diable, il cherche, hein. Oui, ça dit que ça existe. Waka Flocka. Qui a la différence? C'est Gucci Mane? Bien sûr. Il dit quoi, toi? Équipe, il dit. Équipe. Ouais, tu peux faire un beat. Facile. Caris. Attends, laisse-moi trouver facile, un. C'est facile, il faut trouver un peu ah technique. Ouais. L'idée, c'est de... Voilà, Caris, après, si on n'a pas, on va dire. Kalash criminel. Ouais. Kalash criminel. C'est facile, mais vas-y, c'est pour relancer. Nekfeu. Nekfeu... Enfin, Dooms. Non, tu vas pas dire son nom. Ah non, pas Dooms. Ah, parce qu'après, c'est dangereux. Ah ouais, après lui, il va sortir des... Nekfeu, allez. Nekfeu, Alpha One. Mais non, mais pourquoi t'as dit Alpha One? C'est bon. Alpha. Vas-y. Alpha. Vas-y. Hippocampe fou. Hippocampe fou. Ah, la foire. Attends, je vais chercher. Je suis pas très respectueux pour Hippocampe fou. Non, big respect à Hippo. Mais c'est juste parce que je sais qu'il sait pas, en fait. Est-ce qu'il a fait un feat avec peut-être Swiftgad? Je dis au hasard, à vérifier. C'est pas bête. Hippocampe fou, Swiftgad. Attends, c'est vérifié. C'est pas bête du tout. Je rappelle qu'on joue pour 200 points. Quoi? Non, je sais pas accepter ça. Ah si? 100 alors. Ouais, let's go. D'avoir un son à plusieurs, peut-être. Ouais, peut-être, hein. Oui. Merci, putain, c'est beau. Oh la masterclass. Oh la masterclass de flemme. Slumdog millionnaire. Slumdog millionnaire. Alors, c'est trop facile, Rapjeu. Qui? Attends, c'est un morceau qui s'appelle Les Étincelles, on me dit. Putain, voilà. Je connaissais. 6, 6, 7. Tu connaissais. 6, 6, 7. Des bénédictions. A2H. Ouais, A2H. Ça existe.
Maxime envoie là-bas. Moi, j'ai réussi à la mettre. Il y en a un ? Willow Armsgood. Oh, mais il est... Oh, c'est beau, ça. Mais il est fort, lui. T'inquiète même pas. T'inquiète même pas. D'ailleurs, je peux le dire parce que il a déjà été fêté. Un très bon feat de Willow Armsgood avec Nekfeu. Sur un EP de William, avec un sample de Shadé d'ailleurs. J'adore ce morceau. Tu connais ce morceau? Ouais, j'ai écouté William's Good à fond. Oui, là, Giorgio? William's Good, Giorgio? Je suis sûr que non, moi. Keep looking. Tu connais ce Shadé? Keep looking, cherche, frère. Keep looking. Moi, j'en ai un. Est-ce que si je dis un truc? Il n'y a pas de William's Good, Giorgio. Donc là, c'est 200 points. C'est 200 points pour les manches Morlinx. 267. L'enjeu est en bien sûr d'aller avec à 667. Bon, les gars, bon. Je rappelle quand même qu'on est parti de Fredo Santana pour arriver à Willow Armsgood. C'était une très belle manche. Deuxième manche. Il y a du niveau. En haut. On sait surtout Dooms qui joue, mais il y a du niveau. Alors, deuxième manche. C'est pas grave. C'est toi l'artiste. Oh. Esprit Noir. Donc c'est vous qui commencez. Blondinet. De 200 points. Attends, c'est pas fini. Juste... Ouais, mais on savait pas. C'est un mec d'où, juste le mec. Non. C'est un mec sénégalais. Ouais. Tente un truc, hein. Ah, effectivement, c'est un mec récent. Ça, je peux dire. Si je dis au hasard, Ratus, non. Eh ben, j'aime bien parce que tu rates, t'aurais dû dire style fraîche. Merci, 200 points pour nous. Non. Et big up à mon gars Ratus, Vénus, Enfort. Tu peux faire des. Ça bouge pas. C'est pas 200 pour 260. Ah, si. Mais là, ça. C'est que par 200, ma gueule. Point de départ. Ouais, voilà. On c'est va donc faire la dernière manche. Tout va se jouer maintenant. Hustle l'enfoiré. Le premier qui. Ça buzz. On n'est pas obligé de se tuer tout de suite, on peut jouer. C'est quoi encore le truc? Il faut me dire quelque chose. Sa deck. Sa deck, ah ouais, ils vont plus vite. Sa deck. Pas baby. Il habite maintenant en Côte d'Ivoire. Vous voulez vous tuer toujours. Il habite maintenant en Côte d'Ivoire. Oui. Il a signé un petit qui s'appelle JC. Est-ce qu'ils ont fait un morceau? Ils ont fait un morceau ensemble. Qui va sortir? Ouais. Il y a pas de qui va sortir. Il faut que ce soit sorti. Est-ce que attends? Ah non, attends. Que ce soit sorti. Est-ce que attends. Est-ce que vous me validez? Donnez-moi la fouine. La fouine. VF Gang. Et on s'arrête là. Il m'a influencé dans sa réponse. Je dois aller chercher. Donnez-moi la fouille. Bonne soirée. Je suis pas d'accord. Reste ici. Il m'a dit quoi? Donnez-moi la fouille. Il y a des photos à faire. C'est trop facile. Il m'a dit donnez-moi la fouille. Tape la fouine, VF Gang. Donnez-moi quelqu'un d'autre. C'est bon. Tout ça. On a la dalle. Allez, les gars, c'est Sultan la réponse. Voilà, il ment. Calme-toi. Sultan. Ouais. Moi, j'ai un enfant à aller chercher, les gars. Sultan. Fini le match comme un homme. Eh, vas-y, calme. Chroma. Chroma. Ouais, bah oui. C'est bon. C'est bon. Merci. Il ira plus avant. Merci. Ça fait combien? 400. Combien? Dis-moi. Est-ce que vous avez 474. Dis-moi. Bon, mets un 75 s'il te plaît, comme ça on arrondit un peu. J'ai failli dire Sofiane peut-être. Sofiane, est-ce que c'est votre réponse? Ouais. J'ai pas. Est-ce que Chroma Fianso existe? Au revoir. On a gagné. Bah, on va voir. Parce que nous on est pressé un peu, mais c'était un plaisir les gars. Fianso fait beaucoup. On se rappelle. Bon, c'est une mauvaise réponse et donc une victoire des Parigolions. Bravo, messieurs! Bravo, très beau match, ça a bien joué. Zoukou, Flemme, est-ce que vous voulez bien venir ici et faire la promo? Tu peux arrondir ce jour? Waouh, on doit faire ça? Non, frérot. T'inquiète, tu fais juste la promo d'Essel. Bon, Essel, ouais. Le ref, suivez-le. Viens. Ah, je calme carrément. Ah ouais, Essel, le sang. Tu l'entoures de l'autre côté. Super rappeur du 18, le sang de la veine. Grand driller. Allez suivre, écoutez tout ce qu'il fait. Allez écouter tout ce qu'il fait. Avec Dooms aussi. Ouais, ça et celle 500. Là. Juste là. Il y a combien de feats? 3. Bah, ils sont derrière. J'ai une prod sur le projet, attends. Ah ouais, d'où comment c'est? Ouais, Porte de la Chapelle. Juste là. Très pratique ce t-shirt, il y a toutes les infos dessus. Ouais, en fait. Voilà. Juste en dessous, il y a le WhatsApp si vous avez besoin de faire des... Hein. Il y a un frérot aussi qui sort. Beau linge. Hein et Zoukou Mehdi, le BG. Et qui est Youssouf. Mon gars. Hein, le BG Club. BG Boss Club tous les jours. Alors. Merci. C'est terrible ce qui vient de se passer. Je suis désolé, Flemme. On vient de trouver un morceau, Chroma Sofiane. Merci, let's go. Mais c'est la fin de l'émission. Merci. Il y a toujours des erreurs dans le jeu. On va donc finir comme Jacques Martin. Ça veut dire pas de gagnant. Tout le monde a gagné. Pas de gagnant, alors. Pas de gagnant. 6-7 à tout le monde. C'est ça la morale de l'émission. Voilà. Abonnez-vous, activez la cloche. Eh les gars, Zoukou, il faut faire la promo de Zoukou. Ma promo de Zoukou, parce que vous savez qu'on est des frères et que même s'ils auraient eu 200 points, ils auraient perdu. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est mon ref, le BG il arrive, projet fort. Youssouf, Mamadou, Dooms, Mamadou, Zoukou, Dooms. S'il vous plaît, deux masterclass de Flemme, Hippocampe Fou et Chroma, incroyable. À dans deux semaines, ouais. Activez la cloche, gros bisous, bye. Et merci. Bye.